Bonjour à vous, voici comment transformer des unités, soit des mètres par seconde en kilomètres par heure ou des kilomètres par heure en mètres par seconde. En général, on utilise le système qu'on appelle MKSA, donc M mètres kilo seconde ampère. Exemple, si on veut transformer 120 km/h en mètres par seconde, 120 km/h, c'est 120 fois 1 km divisé par 1 heure. 1 km, c'est combien de mètres? 1 km, c'est 1000 mètres. 1 heure, c'est combien de secondes? C'est 3600. Donc, si je fais le calcul, j'obtiens 33,3 mètres par seconde. Donc, je transforme l'unité kilomètre en mètres, vu que c'est ce qu'on me demande, des kilomètres en mètres, et l'unité heure en secondes. Si on fait l'inverse, si on vous demande des mètres par seconde en kilomètres par heure, donc je vais transformer des mètres, c'est combien de kilomètres? Et des secondes, c'est combien d'heures? Donc 24 mètres par seconde, c'est 24 fois 1 mètre divisé par une seconde. 1 mètre, c'est combien de kilomètres? C'est 1 millième. Une seconde, c'est 1 3600ème d'heure. Et donc, résoudre ceci, c'est cette fraction-là multipliée par la fraction inversée, donc c'est ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire fois 3600 divisé par 1000, donc on a 86,4 km par heure. Voilà, excellente journée, bonne préparation pour le bilan.